suis Christelle Père, en charge de la création d'entreprises au parc naturel régional Livradois-Forez. Et du coup, j'accompagne au quotidien les créateurs qui souhaitent s'installer, créer leur entreprise et aussi qui se posent des questions sur entrepreneuriat et développement durable. En plus de ça, j'anime un réseau de gens qui sont en charge de la création d'entreprises sur le territoire ou qui s'intéressent pour accompagner les porteurs de projets de notre territoire, comme Coco Shaker ou comme la boutique de gestion qui était là aujourd'hui à cet apéritif. Bonjour, moi je suis Cécile Favé, je travaille pour l'association Coco Shaker. Je travaille à la question du développement territorial et donc mon projet c'est d'aller à la rencontre des porteurs de projets du territoire du Livradois-Forez en collaboration avec donc, Christelle Père du Parc. Notre idée c'est de faire savoir qu'il est possible d'entreprendre autrement en ajoutant un volet social ou environnemental à son concept et donc de faire savoir qu'il existe un incubateur d'entreprise sociale en Auvergne qui est prêt à amener un dispositif spécifique sur des territoires plus éloignés de Clermont-Ferrand pour éviter de déraciner les porteurs de projets. Ce soir, c'était le premier événement de notre tournée entre guillemets dans le Livradois-Forez. Prochain rendez-vous le 17 octobre à la Gare de l'Utopie à Vertolaille pour un format fin de journée comme celui-ci. Et le 25 octobre, nous serons à Vivrolles, à la maison de service, pour une journée dédiée aux porteurs de projets qui souhaitent bénéficier de notre regard sur là où ils en sont. Et ce sera gratuit.